La Casa. En Haïti, le manioc est une plante très importante. De ce fait, les champs de manioc sont très remarquables. On consomme généralement la racine du manioc et il est utilisé à diverses fins, mais tout en particulier pour faire de la cassave et du jus de manioc. Il y a aussi deux types, le manioc doux et le manioc amer. La cassave est une galette faite à base de manioc. Pour préparer la cassave, il faut avoir d'abord le manioc amer. On le transforme pour avoir une pâte, puis presser pour retirer l'eau qu'il contient afin d'avoir la farine de manioc. On place ensuite la farine sur une platine. Et après, on ajoute les ingrédients avec de la cannelle, noix de coco, du sucre ou du sel. Ensuite, une autre couche de farine. Après 15 minutes, on le change de face pour 15 minutes de plus. Et votre cassave est prête pour consommation ou vente. Activité d'évaluation. Question numéro 1. Dans quelle ville en Haïti fabrique-t-on le plus de cassave? Réponse A, Cap-Haïtien. Réponse B, Jérémie. Réponse C, Port-de-Paix. Dans quelle ville en Haïti fabrique-t-on le plus de cassave? Réponse A, Cap-Haïtien. Réponse B, Jérémie. Réponse C, Port-de-Paix. Si ta réponse est A, félicitations, tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo. Question numéro 2. Quel ingrédient est primordial dans la fabrication de la cassave? Réponse A, le manioc. Réponse B, le manioc amer. Réponse C, le manioc doux. Quel ingrédient est primordial dans la fabrication de la cassave? Réponse A, le manioc. Réponse B, le manioc amer. Réponse C, le manioc doux. Si ta réponse est B, félicitations, tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo. Question numéro 3. Autre que la cassave, quelle nourriture prépare-t-on avec du manioc amer? Réponse A, chaka. Réponse B, tom-tom. Réponse C, cochon gras. Autre que la cassave, quelle nourriture prépare-t-on avec du manioc amer? Réponse A, chaka. Réponse B, tom-tom. Réponse C, cochon gras.
Si ta réponse est C, félicitations, tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo.